joli. Ton chapeau. Bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Là, venez, je vais vous installer, vous serez à l'ombre et vous serez très bien. Vous êtes comme deux hirondelles. Deux hirondelles? Eh oui, nous avons ouvert il y a une heure et vous êtes mes premiers clients. Rosalie, viens, il y a des clients. Tu étais déjà venue ici? Non, jamais. On m'en a parlé, des clients au kiosque. Pourquoi tu me demandes de ça? Parce que tu aurais très bien pu y venir. Y venir pas seul, avec un monsieur qui aurait gravé son nom auprès du tien sous un petit cœur. Non, je n'y suis jamais venue. Je n'ai jamais fait non plus ce que tu crois. Tu sais, ma petite Antonia, ne crois pas que je te dise cela par manque de respect. Je te respecte beaucoup. Ce serait naturel que tu te sois dit. C'est une fille de la vieille ville. Tous les garçons doivent lui faire la cour dans sa petite baraque. Elle a fait comme les autres. Non, Pierre, je n'ai jamais appartenu à personne. En me penchant un peu, je pourrais presque te dire bonjour tous les matins. Tu me feras signe, je t'apporterai des croissants tout chauds. Viens. Je voudrais te dire quelque chose d'important. Ne me regarde pas. Si tu me regardes, je n'aurai jamais le courage de te parler. Je ne te regarde pas. Je te respire. Eh bien, voilà. Je voudrais rester avec toi ce soir. Tu es une petite fille merveilleuse. Mais je ne voudrais pas que tu aies du chagrin à cause de moi si un jour... De toute façon, je ne regretterai jamais rien. Je ne te ferai pas de reproches. Ça, c'est mon affaire.